Bonjour et bienvenue sur Kajis TV. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'Hearthstone, mais on va parler des arènes, on va pas faire un match ou voilà. Donc ça va être des conseils pour l'arène. Et aujourd'hui, donc après la vidéo sur le choix des personnages, après la vidéo qui vous a permis de faire le choix des cartes dans les neutres, aujourd'hui nous allons nous attaquer à un point beaucoup plus spécifique, qui est le choix des cartes mages en arène. Alors, hop, on va choisir mage et on va se mettre en création. Déjà, on va parler de la légendaire. Antonidas. Alors, Antonidas, c'est vrai que ça peut être une bonne carte, voire une très bonne carte. Mais le problème, c'est que, bon, alors déjà, ça va pas être la priorité ultime, même si vous avez quand même pas mal de sorts dans votre deck lorsque on vous propose Antonidas. Parce que c'est sûr que si vous l'avez en premier choix, par exemple, bah, c'est risqué de prendre Antonidas. Parce que ça va peut-être être. Une créature 5-7 pour 7, donc c'est vrai que c'est pas dégueu non plus, hein, ça fait 12 pour 7. Bon, c'est pas non plus terrible, hein, on pourrait s'attendre plutôt à du 14 hein, pour 7 points de mana, mais bon, passons là-dessus. Et son pouvoir pourrait être complètement caduque si vous avez vraiment pas de sort, ou de petit sort, parce que bon, c'est voilà. Donc, c'est vraiment délicat. Antonidas, moi je le mettrais dans les bonnes créatures, c'est sûr. Mais ça va dépendre de ce que vous avez à côté, de ce qu'on vous a proposé avant et à quel moment on vous le propose de le prendre en arène. Et puis il faut voir aussi ce que vous avez à côté, parce que si vous avez Antonidas, ça veut dire qu'on vous a proposé aussi deux autres légendaires. Vu que vous avez déjà votre classe mage, bah, je vous propose de vous reporter à la précédente vidéo sur le choix des légendaires neutres pour savoir si il vaut mieux prendre Antonidas ou d'autres. Mais bon, généralement, mon Antonidas, on va dire, je le mettrai au niveau 2 hein, pour repartir sur mon système de classement sur 6. Donc je rappelle que ce système de classement, c'est T1, c'est excellent. 2, c'est très bien. 3, c'est bien. 4, c'est moyen. 5, c'est mauvais. Et 6, c'est vraiment à éviter. Donc je le mets au niveau 2 hein, pour vous donner un point de repère si vous regardez l'autre vidéo sur le choix des cartes à prendre en arène. Sur le choix des cartes neutres, pardon, à prendre en arène. Donc ça, c'était pour ce qui est de la légendaire mage. Maintenant, nous allons voir... Alors, attendez, je vais me remettre en création, en fait. Tac. Sauf que cette fois-ci, je vais faire les épiques. Alors, les épiques, ça va aller très vite, hein, il n'y en a que 3. La pyroblast, oui, c'est un must-have. Si vous êtes dans les 15 premières cartes que vous devez choisir, la pyro, ça se réfléchit même pas, vous la prenez. Maintenant, même si ça reste une excellente carte, il faut voir les cartes qu'on vous propose à côté. Alors si c'est le bloc de glace ou le courbeau sort, ça va être rapide. Déjà, je les mets toutes les deux dans des cartes moyennes. Pourquoi moyennes? Parce que ça, ça va vous faire gagner un tour, mais si vous n'êtes pas en construit, bah, vous savez pas, enfin, vous aurez sûrement pas de gros combos pour tuer un tour, à moins que vous ayez aussi eu la pyro, mais bon, ça c'est encore un cas assez exceptionnel en arène. Et le courbeau sort, c'est vraiment, mais alors vraiment pas ce que je vous conseillerais. C'est aussi, c'est une carte moyenne, hein, parce que c'est vrai que ça peut être super utile. Mais en arène, moi je pense que la majorité des gens ont plutôt tendance à prendre des créatures qu'à prendre des buffs de créatures. Alors certes, ça peut être intéressant pour un kill de créatures, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créatures qui... enfin, beaucoup de sorts, pardon, qui permettent de tuer des créatures qui sont utilisées en arène. Mais il faut savoir que cela n'affectera absolument pas un effet de créature. C'est à dire que si par exemple on vous sort un vous avez un taunt, vous avez mis votre secret courbeau sort, on vous sort un chevalier noir, il faut bien comprendre que cela n'affectera pas courbeau sort, enfin ça ne déclenchera pas le secret, ça vous détruira votre taunt. Donc voilà, c'est le petit inconvénient. Moi je pense qu'en arène ça reste une carte bon, moyenne, parce que c'est vrai que ça peut servir hein, si vraiment vous n'avez pas le choix. Mais sinon, voilà, je limite entre les deux, je préfère encore bloc de glace et encore, je sais pas. Enfin, les deux sont vraiment très moyennes et très très bof. Je pense que de base, j'essaierai plutôt de voir la troisième qu'on me propose. Parce que généralement, quand on vous propose des épiques, si on a une de classe déjà, c'est bien. Deux de classe, ça serait quand même déjà énorme. Bon, trois de classe, vous savez déjà qu'il faut prendre la pyro. Mais donc, vous aurez forcément des choses à côté. Donc comme point de repère, comme je le disais pour la légendaire, je mettrai donc celle-ci dans la priorité, hein, excellente carte, donc niveau 1.
Et c'est de là au niveau 4. Donc après, à voir ce qu'on vous propose à côté pour faire votre choix. Voilà, ça c'était pour les épiques. Donc maintenant, on va voir les rares du mage. Alors, rares, hop là. Donc les rares du mage. Donc ça va quand même plus vite, hein, vous voyez, parce qu'on a quand même pas non plus des millions de cartes par classe. Je me remets en création, c'est bon, j'ai toutes les rares. Oui, à savoir quand même au passage que toutes les classes ont le même nombre de rares, d'épiques, etc. Toutes les classes ont 3 épiques, toutes les classes ont 5 rares, etc. etc. Bon, bref, c'est pas le problème maintenant. Alors, déjà, dans le tier 1, sur le podium, on va dire, sur ces 5 cartes, je mettrais Blizzard. Blizzard en arène, ça peut vraiment, vraiment être terrible. Déjà parce que c'est un nettoyage de zone, ce qui est vraiment très bien. Mais en plus de ça gèle les créatures adverses. Donc ça peut vous faire gagner un tour s'il a vraiment des trop grosses cartes que vous pouvez pas tuer. Ça peut vous permettre de les gérer en 2 tours. C'est vraiment excellent. Sur le deuxième marge du podium, j'en mettrai aucune. Parce que je les trouve pas si bonnes que ça. Sur la troisième marge du podium, par contre, je mettrai Contresort. Parce que Contresort en arène, mais alors qu'est-ce que c'est fort! Ça reste vraiment super bon. Parce qu'en arène, généralement, les gens qui jouent des sorts, ça va être des très gros sorts. Mais vraiment, enfin, pour avoir fait quand même pas mal d'arènes, je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie beaucoup de fois. Pour bloquer une pyro par exemple, ou pour bloquer une boule de feu, ou pour bloquer un paveté mort sur une créature, ou pour bloquer un nettoyage de zone. Ça peut vraiment être super pratique. Mais en plus de ça peut bloquer tout simplement un lâcher les chiens du hunt. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Pas sur le deuxième. Enfin, et encore, j'ai longtemps hésité à pas la mettre sur le deuxième marge du tableau. Mais je pense qu'il y a des rares neutres qui sont quand même bien meilleurs que Contresort. Faut pas oublier qu'ici je ne parle que du mage, mais j'ai une vision d'ensemble du jeu hein, quand je parle de ce classement. Et c'est pour ça qu'elle est sur la troisième marche. Je pense que s'il y a des rares à côté qu'on vous propose, peut-être pas des rares de classe, hein, mais d'autres rares, il y en a qui sont quand même meilleurs à prendre avant celle-ci. Ensuite, toujours dans sur la troisième place du podium, Vaporisation. Vaporisation aussi, c'est une très bonne carte, malheureusement. Enfin, c'est une bonne carte plutôt, donc troisième place hein, du podium. Mais le gros souci, c'est qu'elle est très dépendante de quand on va vous attaquer, avec quoi on va vous attaquer. Si vous avez mis une vaporisation parce qu'il a une 7-8 sur table par exemple, mais qu'il sort une créature charge 2-1, bah vous allez tuer la 2-1 s'il attaque d'abord avec la 2-1. S'il fait un lâcher les chiens par exemple alors qu'il a une hyène qui est déjà montée à 10-5, bah c'est le petit chien qui va prendre la vaporisation. Donc c'est très dur à jouer, faut vraiment que l'adversaire n'ait plus beaucoup de cartes, pas beaucoup de créatures. Ou des créatures équivalentes, là dans ce cas-là effectivement. Mais c'est vraiment, ça dépend vraiment beaucoup du contexte. Et encore une fois, un peu comme Contresort, c'est une carte qui est très bien, enfin qui est bien, mais elle n'est pas très bien et elle est encore moins excellente. C'est pour ça qu'elle est sur la troisième place du tableau. Enfin du podium plutôt. Ensuite, il nous reste donc 2 cartes. Alors ces 2 cartes-là, je vais les mettre dans moyenne. Voilà, hein, les 2 dernières seront dans moyenne. Pourquoi dans moyenne? Parce que le mage du Kirin'tor tout seul, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein, pour 3, vous avez quand même 7 points de stats. Ça c'est plutôt bien. Par contre, il faut que vous ayez un secret à côté. Or, en arène, c'est quand même difficile d'avoir un secret à côté. C'est possible, hein, mais c'est quand même difficile. Mais à côté de ça, ça reste quand même une très bonne carte pour 3, 7 points. Et l'arcaniste éthérien, c'est le même souci. Sauf que lui est encore moins bien, je trouve, que le mage du Kirin'tor. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà pour 4, vous avez 6 points de stats. Donc, ça c'est pas top. Vous avez des créatures rares qu'on pourra vous proposer qui seront bien meilleures. Par contre, si vous avez un secret à côté, pour 4, ça vous fait une 5-5. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. Mais bon, dans le même tour, il faut enfin, mettre le secret et avoir un arcaniste éthérien. Donc ça dépend vraiment à quel moment aussi on vous le propose dans la création de votre deck en arène. Mais généralement, l'arcaniste éthérien, voilà, comme je le dis, c'est une carte moyenne, c'est très situationnel, ça dépend vraiment de ce que vous avez dans le reste de votre deck. Donc si on vous le propose en début de tirage de cartes en arène, évitez-le, essayez plutôt de voir les 2 autres cartes rares qu'on vous propose, elles seront sûrement bien meilleures. Ensuite, hop, ça marche pas. Comment on fait déjà? Non. Ah, d'accord. Alors excusez-moi, hop, c'est pas ça que je veux. Voilà, commune. Donc ça sélectionne aussi les images. Voilà, alors là, ça devient plus intéressant, parce que c'est quand même ce qu'on vous proposera le plus, hein, toutes ces cartes. Bon, pas en doré, hein, ça je doute. Mais en tout cas, les cartes de classe et les cartes communes. Alors, dans les cartes communes, ça va être un petit peu plus long. Mais déjà, sur le haut du panier, je mettrai une carte qui n'y est pas. Et pourquoi elle n'y est pas? Bon, d'accord, alors on va enlever ça. On va faire ça à l'ancienne. Donc dans le haut du panier, je mettrai boule de feu. Là, c'est vraiment une carte excellente.
n'y a pas trop à réfléchir, généralement les boules de feu ça reste quand même du must-have à avoir en arène. Il en va de même pour l'éclair de givre, c'est un peu comme l'arme du guerrier, c'est au tour 2 vous faites 3 points de dégâts, boum, vous pouvez quand même fracasser des créatures embêtantes, en plus vous gelez, donc en fin de partie ça peut vous aider à paralyser une créature ou un adversaire, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, dans les cartes communes, et c'est pour ça, en grande partie pour ça que le mage est si puissant en arène, c'est qu'en carte commune, vous avez le choc de flamme. Pareil, le choc de flamme, c'est un must-have en arène. Ça peut vous sauver de très nombreuses fois. Ensuite, on va passer à la deuxième marche du podium. Alors, après, ça reste un choix personnel, hein, mais déjà, moi, je mettrais cône de froid. Cône de froid, pourquoi? Parce qu'en arène, ça fait quand même un nettoyage de table. Même si ça cible que 3 créatures et que ça fait qu'un point de dégâts, et ça vous permet quand même aussi de. Comment dirais-je? Tout simplement de pouvoir tuer des créatures, assez, enfin, ou aller chercher les petits points de dégâts qui manquent. Si vous êtes au tour 6, ou même pas si vous êtes au tour 6, ça peut avec un ping, ça peut après vous aider à tuer des créatures qui avaient plus de points de vie. Et puis c'est du contrôle de table. Après, comme je disais, ça reste un sort, hein. Faut bien remettre ça dans l'optique que c'est un sort et que si vous avez des créatures qui sont pas mal aussi en commune à côté, faudra peut-être mieux prendre la créature. Mais bon, en tout cas, voilà, pour les autres cartes communes, de toute façon, neutres, je vous renvoie à l'autre vidéo. Ensuite, toujours dans les communes que je trouve vraiment très bien, on a un grand classique qui est la Wyrm de Mana. La Wyrm de Mana. Pour 1, vous avez une 1-3, donc c'est voilà, c'est une créature, c'est la créature à 1 du mage, hein, tout simplement. Maintenant, en arène, il ne faudra pas trop compter sur le lancer des sorts, où il gagne plus 1 d'attaque. Vous aurez généralement pas beaucoup de sorts en arène de toute façon, même si vous êtes mage, à moins de vraiment avoir beaucoup de chance. Donc, parce qu'en plus, il faudrait aussi les avoir en début de partie, enfin bon, il y a plein d'aussi. Donc c'est une très bonne créature, surtout pour ses stats, parce que pour 1 point de mana, vous avez une 1-3, donc 4 points de stats. C'est surtout pour ça qu'elle est excellente. Ensuite, dans les cartes communes qui sont vraiment très bien, on a le Métamorphose. Alors le Métamorphose, c'est l'anti-grosse créature, ou l'anti-créature, ou l'anti-taunt. C'est une espèce de blast, hein, parce que pour 6, en gros, avec votre ping, vous pouvez tuer n'importe quelle créature. Donc c'est vraiment très très bien, et c'est pour ça que c'est dans les très bonnes cartes. Ensuite, on a l'élémentaire d'eau. L'élémentaire d'eau, pourquoi c'est une très bonne carte? Déjà, parce que pour 4 points de mana, vous avez une 3-6, donc 9 points de stats, donc plus du double que son coût en mana, donc ça reste très bien. Et en plus de ça permet de geler une créature. Et avec 6 points de vie, vous allez pouvoir trader quand même un petit paquet de créatures. Donc, elle est sur cette deuxième marche du tableau. Voilà. Ensuite, donc on va passer à la troisième marche du tableau. Qui est, alors déjà, c'est l'intelligence des arcanes. L'intelligence des arcanes, pourquoi elle n'est pas tip top et pourquoi elle est simplement dans bonne? Parce qu'en fait, pour 3 points de mana, vous allez piocher 2 cartes. 2 cartes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez remplacer l'intelligence des arcanes et que vous allez avoir plus une carte. Donc au final, ça vous fait un avantage de plus 1 et non de plus 2. Et pour 3 points de mana. Ça reste une carte neutre, hein, qui est toujours pas mal, mais voilà, c'est pour ça qu'elle est sur la troisième place du podium, hein. C'est tout simplement parce que y a peut-être mieux à avoir en carte commune. Ensuite, on a l'apprenti du sorcier. Alors l'apprenti du sorcier, déjà, ce qui est très bien, c'est que pour 2, vous avez 5 points de stats. Bon, certes que 2 points de vie, ça c'est un peu malheureux, et 3 points d'attaque. Donc rien que pour ça, déjà, elle mérite sa place, on va dire, sur cette troisième place du podium. Mais par contre, il faut bien garder à l'esprit qu'encore une fois, son game text, donc vos sorts coûtent un cristal de moins, ne vous servira pas beaucoup en arène, voire ne vous servira pas du tout. Bon, après, ça peut, hein. Attention, je dis pas le contraire, mais bon, c'est très situationnel. Moi, je me base vraiment mon choix, surtout sur le 3-2 et sur les 2 points de mana. Après, c'est toujours pareil, si on vous le propose, que vous avez déjà 3-4 sorts, et qu'en plus de ça, si vous êtes vers le milieu du paquet, ça peut être super intéressant, hein, de l'avoir. Surtout que je vous rappelle que moi, personnellement, en arène, je conseille d'avoir beaucoup de créatures drop 2 et drop 3 pour prendre le contrôle du board très rapidement, hein. C'est vraiment ça qui est important en arène, pour moi. Surtout avec un mage qui peut pinguer à tous les tours. Vous vous rendez compte qu'au tour 2, vous pouvez déjà aller chercher, par exemple, contre un Hunt qui va vous mettre au tour 3 une 4-4 taunt, entre votre pouvoir et l'apprenti du sorcier, au tour 3, vous pouvez faire les 4 points de dégâts, quoi. Donc vous débarrassez de cette 4-4. Donc ça reste vraiment très très puissant. Bref, on va pas trop en dire non plus. Ensuite, dans les cartes, donc moyenne du mage en arène,
On va parler de l'explosion des arcanes. Ah bah elle était là. L'explosion des arcanes. D'ailleurs, on va mettre la version gold, hein, c'est plus joli. Donc l'explosion des arcanes. Pourquoi c'est une bonne carte? Parce que pour 2, vous allez pouvoir faire un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ça peut comboter avec énormément de choses. Mais là, c'est pas le problème, vous êtes en arène. Ça reste un sort, donc il peut comboter aussi. Donc ça va dépendre aussi de ce que vous avez déjà eu avant. Mais ça peut vraiment vous permettre de faire un gros nettoyage de table, encore une fois, de pouvoir cibler 2-3 créatures en même temps. Ça veut dire que vous allez faire au moins, on va dire 3, enfin il faut essayer de le jouer quand il y a au moins 2 ou 3 créatures sur table. Et ça vous permet de faire au moins 3 points de dégâts pour 2 points de mana. Et ça c'est vraiment pas mal. Et ça peut vous aider en arène. En construit, j'aurais peut-être une autre, comment dirais-je, une autre logique. Ensuite, dans le style pas mal et encore un sort, projectile des arcanes. Alors projectile des arcanes, pour 1 vous faites 3 points de dégâts, c'est plutôt pas mal. Sauf que vous avez 3 créatures, vous avez ces 3 points qui vont être répartis aléatoirement. Donc si vous avez 3 créatures en face de vous, vous pouvez très bien, enfin tour 1 ça m'étonnerait, mais bon, imaginons que vous le jouez plus tard. Vous pouvez très bien mettre les 3 points sur le héros adverse et ne faire aucun point de dégâts aux créatures. Donc là on est un peu sur la chance. Donc voilà. Ensuite, dans les communes, il y a un secret qui est. Hop là, entité miroir. Entité miroir, c'est vraiment très bien en fin de partie d'arène, quand vous avez plus beaucoup de cartes, vous pouvez penser récupérer une très bonne carte pour 3. Parce que généralement, en plus en arène, on se retrouve très vite top deck. Enfin, si la partie dure un petit peu. Et donc dans ces cas-là, bah, c'est au premier qui va piocher une grosse créature. Si vous avez l'entité miroir, ça peut vous permettre de copier la grosse créature si vous-même n'en avez pas déjà une. Ou si vous en avez déjà une, ça vous permet de la copier et d'avoir vraiment deux grosses créatures sur table, donc de garder l'avantage. Mais c'est plus une carte de fin de partie. Enfin, c'est pour ça qu'elle est dans les moyennes et qu'elle n'est pas en dessous. Ensuite, vous avez les entités miroirs. Les entités miroirs, pareil, c'est une carte moyenne, donc quatrième place du podium, hein, je rappelle, mais qui vous peut vous permettre de vous donner pas mal de protection en début de partie, voire en milieu de partie ou en fin de partie. Plus en début et en fin de partie en fait, parce que ça permet de, quand on n'a plus beaucoup de créatures sur la table adverse, ça permet de laisser à l'adversaire le temps de venir s'emballer dedans, et vous de faire des dégâts pendant ce temps et de gérer la table au mieux. Donc ça c'était pour les images miroirs. Ensuite, bah alors on va faire un rapide tour sur les autres. Bon, on va surtout parler du javelot de glace par exemple. Le javelot de glace et la barrière de glace, je les mets plutôt dans les mauvaises. Vraiment, voilà, bon, si vraiment vous n'avez pas le choix, bon, prenez-les. Barrière de glace, ça vous fait gagner un peu de temps, mais c'est pas terrible en arène. Et javelot de glace, c'est trop situationnel. Faudrait vraiment que vous ayez plein d'éclairs de givre, etc. pour le jouer. Mais bon, moi je vous le conseille pas parce que ça reste vraiment pas bien. Toutes les cartes dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, donc par exemple, je sais pas moi de quoi j'ai pas parlé. Ou alors j'ai fait le tour de toutes peut-être. Non, Nouvelle Gif par exemple, j'en ai pas parlé. Pour moi, c'est vraiment une carte qui est immonde en arène. Il faut vraiment pas du tout la prendre. Nouvelle Gif, ça sert vraiment pas. En arène. Toutes les autres, j'en ai parlé, il me semble. Donc voilà. Donc voilà, ceci clôture la vidéo sur le mage en arène. Le choix des cartes du mage en arène. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vais continuer cette série d'arènes sur les secrets du choix des cartes. Et je vous encourage vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir la première vidéo qui était sur le choix du héros en arène. Et la deuxième vidéo qui était justement sur le choix des cartes neutres en arène. Je rappelle que les cartes neutres, hein, c'est les cartes qui ne sont pas associées à une classe. Voilà, bah c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye mes loulous.